Bonjour, bande de psychopathes, ici Merlin Boss pour le 88e épisode d'Afterbirth. Dans l'épisode précédent, on a fait une partie avec Keeper, et c'était particulier. On a eu Polyphemus Magic Mushroom, ça se passait super bien. Et j'ai pris la mauvaise décision de prendre Bumbo, qui au final nous a tués. Il nous a balancé une bombe sur la gueule pendant le fight contre Isaac, alors qu'on était sur le point de gagner, quoi. Donc, voilà. J'étais assez dégoûté. Mais bon, ça m'apprendra aussi. Bref. Sinon. Avec qui on n'a pas joué depuis longtemps. Avec qui j'ai envie de jouer. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec Eve. Blue Baby. J'avoue, Blue Baby, méga Satan. Vache, bon. Allez, un petit Blue Baby, ça fait très longtemps. Ça fait longtemps. Et Curse of the Unknown, ouais. Bon, je sais pas trop. Ah ouais, carrément, lui. C'est quoi, je vais reset, voilà. Aujourd'hui, je suis d'humeur à reset. Ouais, bon, peut-être pas reset des masses non plus, mais... Mais voilà. J'ai un peu réfléchi à toutes ces histoires d'unlock qui m'empêchent un peu de... A chaque fois, je suis focalisé sur les unlocks et ça m'empêche de profiter correctement du jeu. Donc je me dis, au pire, on s'en fout. Et bon, pourquoi je fais des resets? Là, tout de suite, j'ai envie d'en faire. Voilà, j'ai envie d'avoir un premier item correct. Et ensuite... Ensuite, on commencera. Voilà. Voilà. Bon, j'ai pas de bombe. C'est pas vraiment ce que j'appellerais un item correct. Ça non plus. Bon. Continuons. Curse of the Blind. Non merci. Bah allez, filme-moi un truc sympa quoi. C'est pas un truc sympa ça. Bon. Mais ouais, l'épisode précédent, hein, j'étais quand même bien dégoûté. Enfin, il y avait de quoi. Après voilà, c'est moi qui ai pris le risque de prendre Mumbo, mais... Mais bon. Dagaz. Ça me donne pas mal de vie, tout ça. C'est ça. Non. Non. Je sais pas si je peux faire ça, je me souviens plus. Bon, apparemment non. C'est con. J'espérais pouvoir l'exploser le truc. Pour reroll, mais ça n'a pas marché. C'était marrant comme façon de faire. C'est bien, mais c'est absolument pas ce que je veux. Bon. Allez, donnez-moi un truc sympa, comme ça on va pouvoir commencer à jouer. Après, bon, c'est vrai que si je pouvais arriver à Mega Satan ou bien Hush, ce serait cool. Bon, Hush. Je sais pas comment j'ai fait pour le battre les premières fois, hein, mais il faudrait que je regarde à nouveau. Mais bon. C'est pas évident. Il est maintenant 17h30. Merci Canadien, on va voir ce que ces cœurs d'argent prépare. Je ne sais pas ce que je raconte. Bref. On va voir ce que notre premier item room donne déjà. Parce que voilà, deux cœurs d'argent dès le départ. Bon, je l'ai refusé tout à l'heure, mais. Ça plus un bon item peut-être. C'est quoi ce machin? Bursting Psych Spider Love. Je sais plus ce que c'est. Mais écoutez, ça se trouve c'est comme Fly Love, mais avec les araignées. Je ne sais pas. Et vous savez quoi? Bon, on va y jeter un coup d'œil. Voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai choisi la partie que je souhaite. Bon, on va faire avec. Et je suis mal placé. J'évite de me casser la gueule. Enfin, non, casser la gueule ça va, mais. Bref. Oula, il y a un peu trop de mouches là. Bon. N'oublions pas qu'on a The Poop qui n'est pas si utile que ça, mais qui peut nous permettre de créer des ponts hein, en utilisant des bombes. Je sais plus si j'ai utilisé cette technique déjà. J'en parle beaucoup, bon j'en parle quasiment à chaque fois que je joue avec Blue Baby. Mais je crois que je l'ai jamais utilisé du coup. Bon, j'ai jamais eu l'occasion de le faire surtout.
Enfin, disons que je vais pas le faire pour rien, je vais pas non plus utiliser une bombe pour rien, juste pour vous montrer. Eh, au fait, on peut faire ça. Ouais, non. Non. Bon. N'oublions pas. Pas de squelette dans Basement. Bon. Du coup, on a trouvé le boss. Est-ce que j'ai envie d'explorer encore un petit peu? Faut voir. Bah du coup oui. Du coup oui, j'explorerai bien un peu, oui. Parce que Ario Wizard... Non merci. J'aimerais bien voir si il y a d'autres possibilités pour la Secret Room. Tiens, un coffre. Oula, attention. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça? Je peux pousser... ouais, Ario Wizard, ça me gênait du coup. Saloperie, bon. Bah attendre un petit peu que ça se calme. Ah bah voilà. Hop là. Toi. Ah ouais, merde. Attention à cette flamme. Ok. Ok. Comment je veux gérer ça? On va gérer ça de façon intelligente. Donc je pourrais même faire ça autrement, mais c'est pas grave. C'est très bien comme ça, ça me va. Et bon, toi je peux pas t'exploser autrement, donc bon. Et là, je vais mettre ma bombe, comme ça. On va pouvoir check ce coffre, pas mal de pièces. On pourrait rentrer dans le shop, tenter d'avoir un cœur d'argent. Pourquoi pas, bon, du coup je pourrais plus check ma secret room, mais c'est pas très grave, bon. Alors, le shop, qu'y a-t-il à l'intérieur? Nous allons voir. Un cœur d'argent pour 3 cents, ça vaut carrément le coup. Ça vaut carrément le coup, et 42. Bon, allez, voyons ce que donne le boss. Voyons qui c'est, voyons ce qui va se passer. Famine, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai mis une poupe ici, mais bon. Why not, je suppose. C'est pas le boss le plus difficile au monde, ça c'est clair, mais il faut faire gaffe parce qu'il n'y a pas trop de place pour bouger là, donc bon. Il n'y a pas trop de place pour bouger. Ben. Alors. Ben, c'est vrai qu'on n'a pas tant de dommages que ça, hein. Il me semblait qu'avec Blue Baby on en avait plus, je crois que c'est peut-être une histoire de multipligateur, enfin je sais plus. Ah sérieux. Je vais pas faire grand chose là, hein. J'ai pas assez de vitesse. Pourtant ça a l'air d'aller, mais bon. Comme je l'ai dit, le layout n'était pas ouf. Bon, allez, passons au niveau suivant. C'est vrai que pour l'instant on n'a pas non plus... Le truc de fou, notre sac of spiders machin n'a pas servi à grand chose. Donc bon. C'est pas ouf. En plus, il n'y avait rien d'intéressant là-dedans. C'est tentant, mais bon. On va attendre d'avoir plus de clés d'abord. Des champions. La Rainbow Poop qui ne nous sert absolument à rien avec... Blue Baby, j'imagine. J'adore toujours la pop. Hein. Ouais, bah non. La poupe n'a pas marché, tiens. Des cœurs rouges. Vachement utile. Attention au champion, et surtout à lui. Hein. Il peut être assez vilain. Bon. Bref. Allez. J'espère avoir un bon Devil Deal et un petit peu plus de vie parce que j'en ai perdu un peu. Plus trop comment d'ailleurs, mais bon. Là, lui, je sentais qu'il allait exploser, lui. Enfin, c'était surtout visible. Demon Baby, c'est correct, mais bon. C'est pas vraiment le meilleur item au monde. Est-ce que j'ai envie de check le shop? Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie de check le shop. Ça arrive. Alors... Ok, peut-être pour ça. Des trucs intéressants, hein. La Steam Cell. Ce serait bien d'avoir plus de bombes.
Ça serait bien. Tiens, on a trouvé le boss. Je sais pas en quoi nous aide le Spider Love machin, mais ça a pas l'air de faire grand chose, hein. Bon. À moins que les araignées ne nous attaquent pas, mais bon. Je ne sais pas, mais en tout cas. Pour l'instant, ça se passe bien. On a bien sûr 100% de chance d'avoir un début de deal. Mais je vais explorer un petit peu plus quand même. On sait jamais. On pourrait peut-être faire des choses plus intéressantes. Beaucoup de flammes ici. Est-ce que j'ai la foi de toutes les détruire? Pas forcément, non. Bon. Non, j'ai pas énormément de range. Bon, je vais peut-être pas faire ça pendant 3000 ans non plus. Je veux juste avoir celui-là. Voilà. Comme ça. C'est mieux. Toi, je devrais t'avoir de ce côté vu que t'es gros. Non, même pas. Bon, tant pis. What the fuck? Je me suis fait sniper. C'est n'importe quoi. Bon. On va faire des mouvements un peu bizarres, hein, pour que ça passe. Mais what the fuck? C'est quand tu veux que tu meurs, hein. Je suis déjà à 7 minutes. N'importe quoi. Bande d'enfoirés qui m'ont snipé, là. Ah, mais tu vas crever, oui. Toi, mais je vais t'exploser la tronche. Bande d'enfoirés. Bon. Il a perdu toutes mes vies, c'est cool. Vachement utile, cette salle, hein. Sérieusement. Super, bon, allez, continuons, oublions tout ce qui vient de se passer, c'est mieux. Bon, j'ai une batterie, mais c'est pas ça qui va me... Bon. Alors, monstre, et oh, toi tu vas te calmer, le champion qui laisse en plus de... Mais what? Vous êtes sérieux, là? Je sais pas s'il m'a touché, mais je suis un peu dégoûté. Un peu beaucoup même. Bon, bref. J'aurais pas dû choisir. Mais le sac of spider, il sert à rien aussi. Ça fait quoi, bordel? J'ai un item, je sais pas ce qu'il fait, il marche pas. Bon, c'est cool. Je pensais que ce serait mieux que ça. Clairement, bon. On va voir ce qui se passe. Des pilules. Ouais. Y'en a aucune que je connais. Bon, on verra bien. Oh bah oui, Krampus, oui. Voilà ce que j'en pense de cette partie. Reset direct, voilà. Allez vous faire foutre. Mec, il me file Krampus, il joue... Hell's Down, non. Il y a un moment, faut arrêter les conneries quand même. Dead Cat, ok, intéressant. C'est vrai qu'avec Blue Baby, ça nous enlève toutes nos vies, ce qui est un peu moins intéressant, mais bon. Mais ok, c'est un bon début, c'est un objet Guppy. Voilà, c'est intéressant. C'est mieux que... Le merdier de tout à l'heure. Bon, bah, Curse of the Blind. Et le D8, reroll stat, c'est toujours intéressant, ça. Enfin, toujours. C'est relatif, mais... Ça peut nous donner des combinaisons sympas, donc bon. On va faire avec. Pour l'instant, ça a déjà augmenté notre damage, pour l'instant, donc bon. Bref. Bon, tu vas courir, toi, s'il te plaît, merci. Alors, y a pas une Tinted Rock dans le coin? J'ai vu un truc. Ah non, il y avait juste masse de pièces. Bon, bah, ça me va. Ça me va carrément. Bon, on n'a pas de clé pour l'instant, mais bon. Ça viendra. Eh, mais attends, c'est vrai qu'on peut reroll. On peut reroll la poupe du coup. Comment je sais quand ça reroll? Je suppose que ça se voit. Non, ça se voit pas. Ok, bon. Bon, on a un outleaf. Ça peut nous
faire gagner contre Hush, ça, dans certains cas. Donc bon, ça peut être intéressant. Ça peut même être génial. Ok, Small Rock, c'est bien. C'est très bien même, je vais pas prendre ça tout de suite. Je vais attendre le reroll stat d'abord. Bon, je sais pas ce que c'est ça, donc bon. Alors, des décisions intéressantes. Ça c'est clair. Pourquoi je continue par là? J'aimerais bien recharger mon truc, c'est vrai. Non, bah, il y a une autre Tinted Rock. Bon, bah tant mieux. Hein. Tant mieux. Je vais pas pouvoir reroll mes stats tout de suite, mais bon. C'est vrai que, est-ce que j'ai un intérêt à prendre le truc tout de suite? Enfin, la Small Rock, bon, c'est pas là. Bizarrement, je m'y attendais, mais je l'ai fait quand même. Et du coup... Oh, allez. Allez. 6 de damage, c'est pas mal, hein, quand même. Et de fer, arrête, pas dégueulasse non plus. Wow. Je me suis pris monstro en plein dans la gueule. Ça, c'était moins cool. Mais bon, dans tous les cas, on a 9 lives. Mais ouais, c'est intéressant, on a Outleaf, hein, suffit de choper de bons items de défense, hein, et de se foutre sur Hush. Donc ouais, on a une chance pour Hush, là. Il faut s'en servir. Le D8 pourrait potentiellement nous aider par rapport à ça. Magic Scab, un peu de HP, allez, reroll, j'ai perdu mon damage. Enfin, j'en ai perdu, quoi. Mais un jour, ça viendra, ça nous donnera des meilleures stats. Encore Curse of the Blind, je te déteste, jeu. Enfin, je déteste Curse of the Blind et je déteste Curse of the Blind. Voilà, encore. Bon, au pire, je m'en fous, de toute manière, je suis Blue Baby, hein. Je sacrifie toutes mes vies pour le Devil Deal et fuck it. Hein. Fuck it. Mais il est tout petit. Bon. Bah, du coup, on prend, hein, on sait pas ce que c'est. Magneto, bah, si j'avais su, je l'aurais pas pris, sans doute, hein. Il me dira, il y a pire. C'est pas le pire magnet qui existe. C'est cool, il y a une Tinted Rock en plein milieu et des bombes tout autour. Mais trop loin. C'est la bonne salle troll. Je suppose qu'on n'aura pas de bombes de toute la... Enfin, pas de toute la partie, mais de tout le niveau. Comme ça, c'est encore plus drôle. C'est comique. Ah, je rigole. Bon, bref. N'importe quoi. Ouais, il est gros, lui. J'attends toujours le mode qui fera en sorte que tous les ennemis soient tout petits ou trop gros. J'ai pas vu de trucs comme ça. C'est pas mal ça. Enfin, ouais, c'est du chat-pied d'app en plus. Je sais pas trop comment ça va marcher avec le D8, du coup. Ça m'inquiète un peu, mais bon. Nice, des Golden Bombs, je n'ai rien dit du coup. J'ai perdu damage, j'ai gagné plein de range, c'est complètement inutile, bon. Du coup, je vais récupérer ma Tinted Rock. 2 cœurs d'argent de plus, ça fait toujours du bien. Bon, bah, bombe infinie, hein. Je n'ai rien dit. Bon, je peux récupérer ce coffre. Wow, on se calme. Du coup, bon, bah, je vais pouvoir check partout pour les Secret Rooms, hein, ça c'est clair. Il y avait la challenge room avec 2 coffres aussi, mais est-ce que j'ai envie de prendre du temps là-bas? Je suis pas sûr. Un petit lock-up. Ah, nickel. Bon, ça se passe bien. Bon, Curse of the Blind, hein, donc on pourra pas vraiment savoir ce qu'on achète. Mais YOLO quand même. Hein. Starter deck. Why not, hein. Pas comme si j'avais envie de prendre des pilules. Donc voilà, on gagne encore des pièces. Je pourrais farmer ce truc à mort, mais je vois pas l'intérêt. Pauvre donation machine, quoi. Enfin, tu me diras, allez, YOLO. Si je vois l'intérêt, prendre cet item, même si ça ne sert à rien, voilà. Why not? Pay to play. C'est quoi déjà? Ah, c'est un truc par rapport au sale, c'est un peu bizarre. Bon, bref. Bref. C'est pas exactement ce que j'espérais. On est toujours dans basement, hein, je m'en sers. Ouais. Je bouge mon cul, moi.
Il me faudrait une meilleure stat que ça déjà. Non, cœur d'argent, c'est cool. Non. Magneto qui sert à quelque chose, c'est pas courant. La batterie, on va pas la prendre tout de suite. Nice. Des bombes, des thunes. Un autre Eternal Heart. Je vais pas, ouais, non, je vais pas, laisse tomber. Alors, c'est. Très bonne fire rate là. Ah, j'avoue, la fire rate. Même si le damage est pas ouf. Ah, par contre, ouais, non, la speed est dégueulasse. C'est dommage. Ah, je peux même pas éviter l'arrêt junior, quoi. Bon, ça peut être pas terrible. Bon, je vais avoir mon Devil Deal en tout cas, on verra ce que ça donne. Il y a encore une Tinted Rock ici. C'est assez ouf. Bon, toi, qu'est-ce que tu me donnes? Evil Hub, des bombes, vachement utiles. Bon. Bon, ça nous servira par la suite, mais bon. Ok, alors, voyons, Devil Deal, pas Krampus, s'il vous plaît. Ghost Baby, c'est pourri, mais au moins, on a notre Devil Deal précédente. C'est dommage pour la fire rate, hein, si on pouvait choper un speed up ou un truc comme ça. C'est vrai qu'en plus, ça nous ralentir vu qu'on veut aller vite, hein. C'est pas idéal. On a plus cette saloperie de Curse of the Blind, ça fait du bien. Bon, j'ai pas l'impression que l'araignée m'évite ou quoi que ce soit, donc bon... Putain, Ghost Baby, quoi, sérieux. Quels enfoirés. Mais ouais, la speed, c'est une catastrophe, là, c'est clair. Faut absolument qu'on se débarrasse de ça. Je sais pas trop ce que je préférerais sacrifier, la reine j'imagine, mais bon. Allez, Magic Mushroom. Non, non. Putain, on a trouvé le boss déjà. On dit pas ça. Et il y en a une Tinted Rock ici, évidemment. Je peux plus utiliser la technique de la poupe, mais je peux poser une bombe, ce qui ne sera pas suffisant. Ouais, j'ai un peu le seum là. J'ai Hangman au pire. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et je me suis fait toucher par ça, je crois. C'est assez dégueulasse. Bon, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fous? Je sais pas. Bon. C'est vrai que maintenant, il y a des... Kiss des pièces pour les salles spéciales, c'est particulier. Hein. C'est à cause de pay to play. Le shop, la box of friends. C'est pas Ghost Baby qui va me pousser à prendre ça, c'est clair. Bon. Toi, je vais t'exploser quand même. Pauvre donation machine, quoi, mais bon. Alors. J'ai gagné du damage. J'ai gagné de la fire rate. J'ai regagné un peu de speed. C'est pas trop mal, ça. Hein. Pas trop mal. Cette combinaison est vraiment pas dégueulasse. Megamo. Ce serait bien d'avoir... Oh, c'est la version à la con. Non, ça va, yep. Pire, bon non, en fait, y a pas pire. J'aime pas ce champion, je comprends pas comment il fonctionne. Bon, ça a l'air de pas trop mal se passer pour l'instant. Ah, sérieux, il m'a eu deux fois, quoi. Bon, nickel, plus de vie, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Et je vais m'apata... Je vais m'apata, oui. Je ne vais pas m'attarder dans ce niveau, bah. Non. Parce que si on a envie d'arriver à Hush, bon, déjà on va avoir besoin de... plus d'items que ça, des items qui font des dégâts aux ennemis, hein, ce serait mieux. Des items défensifs qui font des dégâts aux ennemis. Surtout, what the fuck, sérieusement, je l'ai pas vu ta merde. Non. Sérieux. Bon, j'ai pas mal de bombes. On peut tenter un petit Magic Mushroom, hein. Ou autre chose, sans doute. Your fan, c'est bien, hein. Je ne dirais pas quoi. C'est vrai que je peux avoir deux cartes, j'avais complètement oublié ce détail. Bon. Allez, allez, traçons un peu. Traçons. Je sais que ma speed n'est pas ouf. Est-ce que je vais vouloir encore reset mes stats? Enfin, reroll mes stats plutôt. Je vais pas reset mes stats. Ce serait débile. Enfin, pas comme si je pouvais le faire, mais bon. Bref. Beaucoup de choses ici, hein. C'est rare une secret room avec autant de trucs. Rulescard complètement inutile. Est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant? Bon, au moins on a gagné pas mal de pièces. Hein. Utile pour un shop. Araignée de merde. Mais tu vas te casser, oui. Il sert à quoi mon item pour les araignées, sérieux? C'est quoi ce délire? Attends, mais est-ce que je l'ai toujours?
C'est la partie précédente. Ah, je comprends plus rien. Bon, tant pis. Laisse tomber. Je vais garder la sun card pour l'instant. Vachement utile tout ça. Vachement utile. Je regarde mes stats, tiens. C'était dégueulasse. J'ai rien de la speed, mais c'est pas vraiment ce dont j'ai besoin tout de suite. Mais qu'est-ce que je fous? Mais qu'est-ce que je fais? Sérieux. Je fais n'importe quoi. Bon. Ah, mais tu vas crever, oui. Non. Perdu du damage. Pas très content de ça, mais bon. Oh mon dieu. Bref. Non, je sais pas si je suis sur le bon chemin du shop, par contre. Hein. Ouais, j'espérais mieux, par contre. Hein. What the fuck? Ah, saloperie, je vous déteste. J'ai perdu toutes mes vies. Bon, bah tant pis, au pire, je sacrifierai une de mes vies pour prendre un bon item. S'il y a lieu. Hein. Ah, c'est pour ça qu'on a 9 lives. Même si c'est un objet guppy, d'ailleurs, je sacrifierai sans doute le truc. Ah là là, bon, allez. Il faut que je trouve le shop, quand même. On a même pas eu l'item room, là où j'aimerais bien en avoir une un moment. Je crois que j'ai skip la dernière. Wow, 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 c'est quoi cette vitesse de malade de ces ennemis, là? Bon, allez, un bon reroll, là. Putain, mais sérieusement? Bouffe encore plus de damage, vous êtes sérieux, là? Sun card, c'est quoi l'autre déjà, Eggman, ouais. Putain, ils veulent vraiment me bouffer tout mon damage, là, c'est dingue. C'est pas possible. Faut pas battre un boss avec ça, quoi. KF2, en plus, il y a moyen qu'on tombe sur grid, ça servirait pas à grand-chose. Et bon, item room, oh là là, je les déteste. Et en plus, j'ai plus de damage, c'est super, ils vont me défoncer, c'est cool. Ben, tu peux bien crever, toi, ce serait bien. Merci, et tout ça pour... Rune bag, ça va, c'est sympa. Mais bon, pour l'instant, c'est inutile. On a plus de vie, c'est génial. Bon. Je comprends plus rien à ce qui se passe, mais bon, c'est pas grave. Enfin. Enfin, enfin. Allez, encore une salle. Joker card. Ouais, rip Hangman, hein. J'ai suffisamment de bombes pour faire ce que je veux ici. Able, bon, écoute, c'est mieux que rien, j'imagine. Putain, je suis à 13 minutes déjà, je suis trop lent, je peux pas aller plus vite aussi, là. J'ai pas de damage. J'ai perdu tous mes dégâts. Bon. Allez, quoi, soyez cool. Ouais, j'avais mieux tout à l'heure, quoi. Ça va, mais bon. C'est pas encore... une autre Joker card. Wow, ok. Je reste avec cette combinaison-là. Hein. Samba. Je ne rerollerai plus mes stats. J'ai deux Joker cards. J'ai une Sun card. Je vais utiliser une des Joker cards, même si c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Abaddon, ok. l'autre truc, je m'en fous un peu, je crois. Donc bon. Allez. Ok, c'est excellent tout ce qui vient de se passer. Maintenant, il faut tracer. Voilà. 14 minutes, ça va être chaud. Évidemment, c'est grid, sinon c'est pas drôle. Bon, Abaddon, ça suffit pas pour Hush, donc bon, et une perso rune encore. Non, ce serait une connerie. Ah, j'ai... Vous êtes relou, bon. Allez, continuons. Je suis vraiment à la bourre, du coup. Il faut tracer. Avec 14 minutes, on est que dans KS2, quoi. Donc bon. Ça va être chaud. Ça va être très chaud, bon. Bon, j'ai envie d'atteindre la boss rush, mais quand même. Il faut aller vite. Non, je pourrais lui balancer des bombes, lui, ça serait bien. Ah, c'est la version avec les cœurs, ça va, on peut casser les cœurs pour lui faire plus de dégâts, ça c'est cool. Allez, prends-toi les bombes dans la gueule. Il en reste plus beaucoup, donc il faudrait les économiser un moment.
Je sais, j'aurais dû garder Persro au cas où il y avait un début de deal. À tous les coups, je vais en avoir. Mais bon. Voilà. J'ai pas le temps de faire du backtrack. Hein. J'ai pas le temps. Devs 1, allez, traçons. J'ai la Sun Card, hein, c'est vrai, je pourrais l'utiliser au cas où il y a un souci, mais bon. Du coup, ouais, j'ai dit que je n'allais plus reroll mes stats, c'est très bien ce que j'ai maintenant. Hein. Non, c'est pas idéal comme je l'ai dit, mais. Mais j'ai toujours pas les items que je veux pour Hush, donc bon. Ça reste pas évident. Bon, ce qui est cool, c'est que on je peux. T'es sérieux là? C'est que je peux tracer Gera, je pourrais Gera ma Joker Card et l'utiliser, c'est une bonne idée. Je pourrais, ouais, mais je vais pouvoir tout Gera en fait. Bon. Alors, Gera Sun Card, je récupère ça, j'utilise la Sun Card, j'ai une deuxième Joker Card que je peux utiliser tout de suite. C'était pas ce que je voulais faire, tant pis, j'ai perdu ma Sun Card. C'était con, et bon, tant pis, et j'utilise Joker, bon. C'était presque parfait, mais bon, j'ai fait une connerie au final, tant pis. Ça me fera peut-être louper la... Ça me fera peut-être louper Hush, mais c'est pas grave, hein. Évidemment, il me file cette merde, il aurait pas pu me filer le seul truc utile, bon, tant pis. Je suis un peu dégoûté d'avoir zappé ma deuxième Sun Card, bon, c'est dommage. En tout cas, c'était bien pensé, hein. Même si je me suis chié dessus, bon... Alors, item room, double shot, c'est bon ça, ok, on est bien. Ok, bon. Bon, c'est vrai que je peux pas vraiment me baser sur une Outleaf, dont j'avais complètement oublié l'existence, enfin pas complètement, bref, mais... Mais on a une build assez intéressante, il nous faudrait un peu plus de... C'est bien ça. Il nous faudrait un peu plus de... Pourquoi je fais ces sales alors que j'ai joué toute la map, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? De Tears Up, voilà, c'est ce qu'il nous faut. Golden Poop, Counterfeit Penny, non merci. Bon. Et du coup, traçons, on est que dans Death 1, mais... C'est dommage que j'ai perdu ma carte quand même. Bon. C'est ma faute, hein. On a une Dice Room. Si c'est une... Si ça me reroll tous mes stats, je dirais non, hein, faut pas déconner. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte encore? Two of Diamonds, si tu veux. Il y avait quoi dans le Devil Deal déjà? Ah oui. Encore une perso. Bon, ok. Deux perso à retenir. Oh, deux perso. Ouais, mais je peux utiliser ma Joker Card pour... Bon, on verra. Si j'avais encore une deuxième Joker Card, j'aurais dit ok. J'aurais pu reroll la Krampus Head, mais bon, on verra. Alors, pas mal de possibilités ici, j'ai plein de clés, 5, refaire le niveau, non merci, j'ai besoin de tracer. Par contre, reroll tout ce qui est ici, ouais, carrément. Blank card Joker. Il est maintenant 18h. Merci, Canadien. Bon. Persro, Blancard, Persro, Blancard, Joker, oh putain, ah ouais. Alors, ok, intéressant. Très intéressant tout ça. Ah mais je vais pas pouvoir recharger. Bon, tant pis. J'espérais mieux que ça. Bref, traçons. J'ai encore ça. Bon, c'est pas grave. Allez, continuons. Pas trop ce qui se passe là, mais bon. Bref, j'ai toujours aucun item pour ce que je veux, donc bon. Ça m'arrange pas. Sachant qu'on a la rune bague, c'est quand même intéressant ce qu'on a, parce que bon, on a des trucs infinis. Oula, Cage. Champion Cage, je sais plus ce qu'il fait lui. Bon. Il laisse du creep, ouais, c'est pas idéal, mais bon. Ouais, ça va, on se débrouille bien quand même. Hein. On se débrouille bien. Je me suis pas fait toucher, c'est cool. Alors, speed up, c'est pas trop mal, hein, tracé, c'est bien pour nous. Bon, n'oublions pas, hein, la Joker Card, ça nous donne accès à tous les trucs qu'on veut, donc... Aïe, aïe, nécropolis, bon. N'oublions pas, c'est pas la boss rush qu'on veut, donc on peut se permettre
d'attendre un peu. Blanc rune, je sais jamais ce que ça fait. Algise, ouais, bon, ok. Alors, c'est une rune aléatoire, mais est-ce que j'ai envie de me baser là-dessus? Je sais pas trop. C'est vrai que, bon... Encore une autre rune, décidément. Une autre blanc rune. Non, mais ça suffit, là. Bon. Une autre blanc... Putain, c'était... Dagaz, ça serait bien d'avoir une rune qui me donne... Ah ouais, d'accord, bon. J'avoue, je comprends plus grand-chose. Toi, tu me donnes des cœurs, normalement. C'est vrai que c'est cette curse-là que j'ai, bon. Je comprends rien à ce qui se passe. J'ai pas le temps pour toi. Je comprends plus grand-chose à ce qui se passe, là. C'est pas grave, il faut tracer, il faut tracer, il faut tracer. Bon, salopard, non. Alors, stop watch, je prends cœur d'argent, je prends carte, two of hearts, non merci. Toi, pay to play, ça peut être intéressant, mais non merci. Two of hearts, j'ai dit non. Blanc rune, joker, ok, bon. Comme j'ai dit, je comprends rien à ce qui se passe, mais c'est pas grave. À mon avis, ça va être par là. Hein. À mon humble avis, ça va être de ce côté. Ils vont pas mettre une grande salle pour rien. Faudra forcément la faire. Bon, faut tracer. Hein. Il faut tracer. Ce serait bien que j'ai une meilleure carte. Enfin, une meilleure rune plutôt. C'est laquelle qui me révèle toute la map déjà? Je sais plus. Mais tu vas crever, toi? C'est quoi ces ennemis qui ont un bouclier parfois? Je comprends rien. C'est un gros délire. Mec! tu vas mourir, oui? What? Cet ennemi est invincible, ok d'accord. Bon, si tu veux. Et j'ai plus de bombes, sérieux, what? Pardon? Ok, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais absolument pas, bon c'est pas grave. On va faire comme si il s'était rien passé. Tu veux me dire que le mec aurait été invincible tant que ses araignées étaient pas mortes, mais... Non, c'est pas ça, je sais pas, bon. J'ai rien compris, on s'en fout. Gera, blanc rune. Allez, dépêche, c'est quoi, laquelle Gera? C'est celle-là. Hop. J'aime pas, je perds trop de temps à faire ça en plus. Je perds trop de temps. Bon. Dark Bomb, c'est intéressant. Bon, la Mom's Hand, c'est quand tu veux que tu crèves, merci. Bon. C'est vrai que je vois plus ma vie, du coup, mais bon. Mais bon, 22 minutes, c'est très tentant, ça. Et je vais le faire en utilisant la Joker Card, je vais plus ou moins cheater. Agalaz, on s'en fout. C'est quoi cette carte? Chariot, intéressant, mais j'en veux pas. Et du coup, Joker, je me casse, je reviens. J'ai Dark Bomb qui ne va pas me filer de... cœur d'argent, et je reviens par là. Ok, bon. Eh, ça va vraiment être... Oh putain, sérieux, c'était pas par là. Bon. Je pète un câble, mais... Je viens de faire tout le tour de la map pour rien, aussi. Donc, vous êtes sérieux, les mecs. Enfin, si j'avais pas perdu ma carte à la con, on en serait pas là, mais bon, bref. Oh, bordel. Bordel. Bon, c'est quoi ça? Item room, qu'est-ce que ça peut être? Une mouche qui sert à rien. Alors, allez, sauve-moi. Putain, quel as, mais cassez-vous avec vos runes de merde, sérieux. Algise, ouais, cool. Emperor, ouais, ça me va. Emperor, j'en ai une, je garde quoi? Fuck la blanque rune. Et ouais, je vais garder Joker Emperor, c'est bien. Oh bah attends, Emperor, du coup, je vais pouvoir l'utiliser plein de fois. Oh, ok, bon, bien, très bien. Très bien même, excellent. Je vais pas utiliser tout de suite, du coup. Vu que je suis juste à côté, ce serait con, bah, de toute façon, je peux pas. Ouais, je peux pas la sacrifier, ce serait bête. Alors, même, ok, on est bien là, on est bien, on est très bien. Par contre, j'ai toujours pas ce qu'il faut pour Hush, donc bon, c'est cool, mais...
Ah, j'ai pas assez de vie, quoi. Ok, on a massacré. Qu'est-ce qu'on a envie de battre? Allez, Blue Baby. Il y a une Tinted Rock ici. Et du coup, c'est parti. Ok, ça devrait être faisable. Non, c'est... grande chance quand même. Allez, on va faire une petite salle. Et ensuite... ce sera parti pour le boss. On va faire ça... je m'en fous des Waz. C'est absolument pas ce que je veux. Alors, Joker, Emperor, Blancard, ok. Fallen, non, oh, c'est bon ça. Grande chance que ce soit... bah, ce sera un objet de Devil Deal de toute manière, mais... il y a pas mal de vie, ça va. Je sais plus trop combien il nous en restait. Et un objet Guppy, et peut-être un autre objet Guppy, ce serait excellent. Ah, c'est pas un autre objet Guppy. Spirit of the Night, c'est bien, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. On en a pas besoin, en fait. Bon. Dommage qu'on puisse pas reroll. Allez, passons au niveau suivant. Non, maintenant, est-ce qu'on a le temps de... faire quelques trucs intéressants? C'est-à-dire, qu'est-ce que je voudrais faire? Bon, déjà, je voudrais garantir mon Devil Deal. What the fuck, c'est quoi cette... il y a des choses bizarres, bon. Je vois des choses bizarres. Ok, donc, ouais. Bon, de toute manière, je vais d'abord me battre contre... contre Mom, hein. En utilisant... oh, Berkano, fais pas chier. Et en utilisant l'Emperor Card avec la Blanc Card. J'y arrive, c'est un peu compliqué tout ça, mais bon. Allez, il nous faut juste un seul objet Guppy. Si on pouvait l'avoir, ce serait excellent. Donc voilà, on va pouvoir tenter H. H. Hush. Qu'est-ce que je raconte? H. Allez, Mom's Heart is dead. J'ai pas mon Devil Deal, donc je vais d'abord... on est d'accord, ça reste là. Oui, bon, ce serait con que ça disparaisse. Il me reste quoi, 4 minutes? Ça va, en 4 minutes, je devrais avoir le temps de charger ma Blancard. Et j'aimerais bien la charger deux fois d'ailleurs, mais ça va être compliqué ça. Bon. Allez, Dark Bomb, plus de vie peut-être, non? Ok. Restons détendus, mais pas trop. Et ben bref, je me comprends. Oula, fistula, c'est peut-être pas top. Ça va, quand même. Il aurait tué assez vite. Bon, il y en a deux. Ah, merde. Il m'a eu. Bon, on a le Polaroid, c'est vrai que j'ai pas... j'ai oublié ce détail. C'est vrai que du coup, vu qu'on est Blue Baby, ça nous aide. Et ça, c'est cool. J'utilise la Joker Card. Et on a ce qu'on veut, yes! On a notre objet Guppy! C'est bon ça, c'est bon! Et je veux quand même... putain, on pourrait faire ça aussi, mais bon... c'est trop risqué! Je sais, je prends des risques à la con, mais... bah, on est Guppy, c'est vrai qu'il faut bien tester notre pouvoir, maintenant! Oh bah, ne me faire toucher, c'est vraiment pas une bonne idée, là! Vraiment stupide même. Bon. Bon, je peux toujours utiliser ma Emperor Card si je veux. Dagaz. Why not? Joker. Quelque chose d'intéressant. Pas vraiment. Pourquoi je fais ça? J'aimerais bien utiliser la Joker Card en fait. Ah bah c'est vrai que je peux voler maintenant en plus. Cool. J'aimerais bien utiliser ma Joker Card. Qu'est-ce que je fous? Dépêche. Ma Joker Card, je vais y arriver. En fait, je m'en fous d'Emperor, ouais, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Je vais utiliser maintenant. Je vais y arriver. J'aimerais bien utiliser ma Joker Card. Mais où donc? Ah, Hush, ouais, voilà. Contre Hush, enfin, avant Hush, bien sûr. Voir s'il y a un truc intéressant, hein. Oh, je vais faire ça, c'est peut-être pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Ah bah si, en fait. Ah bah non, j'ai perdu ce que je voulais faire, saloperie. Bon, tant pis. Rip, ma technique, j'utiliserai...
Putain, je suis dégoûté. J'ai paniqué, du coup j'ai fait n'importe quoi, bon. Je voulais utiliser juste Emperor, pas... C'est pas grave, bon, tant pis, allez, passons, j'ai pas envie, ah, saloperie. Non. Ouais, je perds encore du temps, je prends des risques complètement abusés. Oui, c'est Secret Room, sérieux, bon. Putain, si je perds Hush, quoi, ce serait tellement con. Ce serait tellement débile. Mais non, je veux arriver à faire mon truc, je m'en fous. Je vais y arriver, ça va, j'ai le temps. Il y a une batterie, parfait. Allez, Emperor, j'utilise tout de suite, je perds pas de temps. C'est parti pour Hush. J'ai ma Joker card, bah là, allez. Pas besoin d'une autre Emperor. Bon. La Blue Womb, c'est, on a Curse of the Maze, pas très grave. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici, hein. Ah mais Dark Bomb va peut-être m'aider un peu. Oh, Steven, un damage up, cool. Cool, cool, cool. Dark Bem, c'est cool ce que tu fais. Je vois ça déjà. Super Magnet, non merci. Alors, le shop. Cœur d'argent, cool. Une autre Joker card. Je peux pas acheter ce cœur, c'est dommage. J'ai deux Jokers, c'est cool. Le boomerang, je m'en fous. Bon, de manière, je peux charger ça. Des coffres Curse of the Tower, non merci. Guppy's Head, ça va pas vraiment me servir tant que ça, c'est bien, mais bon. Beaucoup d'objets Guppy, c'est assez cool. Non. Le boomerang, ça peut peut-être freeze Hush, mais bon. J'ai encore deux Joker cards, what? Ah ouais, oui, bah oui. Ok, bon. Bref, sinon, toutes les pièces, je vais les donner à toi. Ça va, je suis pas obligé de rentrer dans le Hush Fight avant 30 minutes, hein, faut pas déconner. Avoir un luck up ici, on sait jamais, je sais pas, mais bon. Ouais, on est revenu à un peu plus de 42. Alors, les items. Ah merde. J'avais oublié ça. J'ai besoin de pièces maintenant pour rentrer dans les trucs. C'est con. Bon. J'en garde deux du coup, c'est un peu débile. Ah bah, tant pis. Alors, Common Cold et l'autre. Common Cold, hein, du poison damage, c'est vraiment pas mal. Pas de Tinted Rock. Et toi du coup, How to Jump ou Lemon Miss Up, les deux sont pourris. Bon, je vais quand même les prendre. Bah, je choisis de toute manière. Bon, j'ai deux Joker cards, ça me sera absolument pas utile, donc bon. Boomerang, c'est que ça me pourrait me servir. Je sais plus si je peux sortir d'ici après, je pense, oui. Donc bon. Ah bah j'ai plus de pièces. Bon, tant pis, on va pas me prendre la tête. Allez, c'est parti. Pour Hush, on n'a pas d'item, on peut... Ok, bon, bref. On a la stopwatch. Qui ne marche pas. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai pas l'impression que l'ennemi soit ralenti. On a... Oh... On a Gnawdleaf. On a Gnawdleaf, donc pendant les continuum attaques, je peux rester sur place. Ok. Ok, ok. Allez. Concentrons-nous. On va peut-être enfin pouvoir réussir à rebattre Hush après 3 milliards d'années. Non. C'est bien les mouches, sinon on serait bien que vous attaquiez l'ennemi, ce serait cool. Allez quoi. On s'est lui dessus, bordel. Voilà. Ouais, ok, bon. Comme ça, ça marche. Non, les autres mouches, rip, hein. Ouais, ça se passe bien en tout cas, c'est cool. Ouch, bon. Ah oui, c'est vrai, j'avais quand même oublié que la stopwatch marchait comme ça. À partir du moment où on se fait toucher, il est ralenti. Ah ouais, bah du coup c'est pas mal quand même. À mon avis, on est bien là. Bon, même comme ça, je sais pas si les continuum shots, ils risquent de poser problème, mais... Ouais, tout de suite, c'est mieux, ouais. Je me disais aussi. J'avais oublié que ça avait été modifié. C'est vrai que du coup on a le temps de le massacrer avec les mouches pendant qu'il fait son attaque. Oula, c'est parti pour les continuum shots je crois. Ah bah non, ça va, je sais pas. Non. Alors.
Il part de ce côté, ses shots devraient revenir de l'autre côté peut-être, non? Non, on n'est pas encore au continuum, j'ai l'impression. Ah, c'est génial, je suis content. Bon. Je suis content. Ah, il va mourir, c'est trop bien. Ça fait des siècles que j'ai pas buté Hush. C'est vrai qu'il fait des attaques un peu spéciales après. Attaque que j'ai vu très rarement. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, mais on va le massacrer, ça c'est trop bien. Ça fait grave plaisir. Ah non, c'est les continuums mais qui passent pas du coup. Ah, yes, c'est trop cool. Wouhou, Fate Reward, je sais pas, ça a l'air pourri comme item, mais on l'a eu. On a enfin eu Hush, ça fait des siècles qu'on l'avait pas eu, ça fait trop plaisir. Bref, allez, passons au niveau suivant, du coup, cathédrale. Et on peut direct utiliser la Joker Card. Voir si on peut choper un autre item. Curse of the Unknown, je me souviens à peu près de combien de vie j'ai. Alors, les deux pourraient être intéressants, mais bon, toi tu me redonnes plus de vie que ce que tu ne me prends, donc c'est cool. Alors, bon, et là, à mon avis, on a peu de chance de perdre. Bon, ce serait bien de pouvoir accéder à Mega Satan, mais... Enfin, ça va être compliqué, disons, faudrait avoir une Sacrifice Room. Et le problème, c'est qu'on voit pas notre vie, quoi, donc bon. Mais avec Dark Bomb, c'est peut-être faisable. On va voir s'il n'y a pas une Sacrifice Room dans le coin. Si on peut avoir les clés, ce serait assez dingue, mais bon, tout est possible. Ça qu'il y a une dagaze là, je dirais oui tout de suite. Je dirais oui tout de suite à une dagaze, hein. Ça c'est clair. Et ouais, si on a une perte trop, je pourrais reroll le deuxième item dans le Devil Deal. Ça peut être sympa aussi. Plein de bombes. Secret Room. Nope, bon. Ça va, ça valait le coup. Ça valait le coup. Pauvre monstre 2. Ah, c'est plaisir cette partie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une partie comme ça, on est cheaté, on a pu massacrer Hush. Hein, massacrer Hush, rien que le fait de le dire, je trouve ça génial. Bon. Ah, c'est cool. Ça fait trop plaisir. Ah, la petite, je l'ai même pas vue. Hop là. Une rune d'Agaz. Ah, cool. Je vais pouvoir voir ma vie. Oh, j'ai masse de vie. Je m'attendais pas à autant de vie. Eh, du coup, là, si on a une Sacrifice Room, il y a moyen qu'on arrive très loin. Il y a moyen qu'on puisse même battre Mega Satan. Ce serait dingue. Bon, après, c'est du random. Hein. C'est du gros random. Mais on verra. Ce qui est clair, c'est que ça se passe bien. Hein. On a même bien plus de vie qu'on pourrait le vouloir. Blanc rune. C'est abusé. Alors. Ah, y a peut-être une chance d'avoir une Sacrifice Room. Ah, quoique. Attends, c'est pas fini. Allez, Sacrifice Room. Ah, bah. Non, c'était grid. Je suis dégoûté. Bon, luck up, ok. Mais ouais, je crois que c'est foutu pour la Sacrifice Room, hein, c'est dommage, ça aurait été fun. Hansouz, ouais. Ah bah oui, c'était ça du coup tout à l'heure. J'aurais dû la garder, mais c'est pas grave. Alors bon, c'est pas grave, hein, pas de Sacrifice Room. C'est triste, on n'aura pas un méga Satan, hein, sans doute pas. Bon. Ça arrive. Une autre batterie, hein, c'est cool. Ça me sert à rien. Est-ce que j'ai utilisé ma Joker Card? Ouais. Du coup, je vais pouvoir gagner toutes mes vies, c'est cool. Bon. C'est n'importe quoi. Et du coup, Super Secret qui contient des mouches. Bon. C'est dommage quand même, hein. Ça aurait été bien. On ne peut pas tout avoir, hein. Déjà, on a eu de la chance une fois. Ça suffit, je suppose. J'ai vraiment pas besoin de deux Joker Card, quoi. C'est deux magiciennes, c'est très bien. Bon. Oh, magicienne à utiliser du coup une fois, hein. C'est pas mal. Et toi, Algis, ouais, c'est bien aussi. Je préfère, ouais. En fait, on est invincible, quoi. Bon.
C'est abusé. C'est abusé, c'est abusé. Allez, bah, Algis, hein. Tant qu'on y est. Toi massacré, Blue Baby, Zach. Ah ouais, il prend cher quand même. Il prend cher. On est si cheaté que ça, apparemment. RIP Isaac. Ah là là. Bon. Allez, du coup, donne-moi Datsuki, ce serait cool. Mulligan, bon, je sais pas si ça marche avec ce qu'on a, mais bon. Allo, si tu veux, Black Bean, c'est pas comme si on pouvait les reroll les trucs. Chemical Peel, ça va, encore plus de damage, hein, ça fait plaisir. Bon. C'est assez dingue tout ça, hein. C'est complètement dingue même. Bon, allez. Ah, j'avoue, j'aurais peut-être dû garder les coffres pour un Gera. J'ai pas pensé. Bon. On aura peut-être d'autres coffres, hein, qui sait. On a des batteries, donc si on chope une Gera, effectivement, mais c'est dommage. J'ai pas réfléchi à ça. Bercano, on s'en fout. D'accord. Je garde Algis quand même, on sait jamais. Non. Bon. Pauvres ennemis. J'ai 3 de luck, hein. Pourquoi j'ai pas de coffre? C'est nul. Non, j'ai pas que Pistail, mais... L'ennemi a même pas le temps de spawn, le pauvre. Ah bah... Gordy qui se prend toutes les mouches en plein dans la gueule. Encore masse de batterie, hein, c'est cool. J'ai oublié d'utiliser... ouais. Joker card, tiens. Je sais plus si la shovel fait quelque chose ici. Vu que je suis invincible, je vais tenter. Hein? Nope. Ok, bon. Toujours bien de le savoir. Bon, j'ai perdu masse de vie. Oh mon dieu, je suis en danger. Ah bah non, en fait. Ouais, c'est trop tard pour ça, je crois. Bon. J'ai quand même essayé d'avoir une... Une Gera, on sait jamais. En plus, toutes les batteries que j'ai dans le coin. Ce serait assez intéressant. Toujours pas. Ah, les Stain, on peut les massacrer. Les Polycéphalus aussi, ça fait du bien. Enfoiré. Toujours à nous spawn sur la gueule. Bercano, on s'en fout. Décidément, il veut nous filer que ça. RIP. Ça fait tellement du bien d'exploser cette salle comme ça. Ouais. Fistula, Teratoma, faites-vous massacrer. Ça fait du bien, bon. Ça va, du coup, on aura un petit épisode. Enfin, un petit épisode. Un épisode d'une petite heure. Ça va. Ah, qui sait, avec un peu de chance, on va avoir Datsuki, hein, mais bon. Le jeu n'a pas trop l'air de coopérer. Mais c'est pas grave, hein, on s'éclate. Ça fait du bien. Cette partie fait grave du bien. C'est cool. J'ai utilisé ma Joker Card en fait direct, ouais. Bon. Il ira plus très utile de la garder, mais bon. Bref. Ou alors je l'ai paumé quelque part. C'est possible. Double monstre 2. RIP. Ah bah non, même pas. Il est pas mort, il a survécu. T'as encore plein de batteries, t'es sérieux, si j'arrive à avoir une Gera, mais c'est la fête, quoi. Non, dommage que j'ai pas pu garder les autres coffres, du coup, mais bon. Allez, Gera, Dagaz, oh, vous êtes sérieux. Bon. C'est triste. Bon, j'aurais pu utiliser masse de Dagaz pour me soigner, mais c'est pas ce que je veux, quoi. Je veux... Bon, tu me diras, limite... Limite un perso, ça m'irait aussi, même si je préférais bien sûr autre chose. Alors, les deux seraient bien aussi. Two of Clubs, on s'en fout. Hierophant, c'est bien. Bon, je pourrais avoir de la bière finie encore, mais comme je le dis, c'est pas ce que j'essaye d'avoir. Et je pense que ça va être la dernière salle du coup. Hein. La dernière salle qui nous donne une rune. Non ? Ah, dommage. Dommage. Bon. Super secret, allez, on va tout chercher. On va tout tenter. Jusqu'au bout. Essayons d'avoir notre Gera.
Ce serait quand même bien cool, hein. Ça c'est clair. Bon, je sais pas trop où pourrait être la secret room normale, mais bon. C'est un peu le bordel ici. Légèrement le bordel. C'est quoi ce délire? Bon. Ah bah, ça doit être là. Ça doit être là, ça doit être là. Ça se trouve, il y a Dead Ski dans ce coffre. Ce serait assez drôle. Bon. Ce serait assez comique. Bon, c'est pas ici. Est-ce là? Non. Eh ben, elles sont où ces secret rooms, sérieux? Ils sont bien planqués. Ah, c'est laquelle? Super secret. Ok, nice. On sait jamais, hein. Mais ici, ce serait bien de... de Gera tous ces coffres, hein. Donc bon. Ça m'étonnerait qu'il y ait un Gera dans... qu'il y ait un Gera dans la secret room. Mais on sait jamais, hein. On va... comme je l'ai dit, on va jusqu'au bout. Qui sait, il y a peut-être Grid, il y a peut-être des trucs de fou. Hein. Tout est possible. Bon, de toute façon, c'est bientôt fini. Ah, bah voilà, elle était là. Pas trop ce qu'elle fout là, mais bon, ok. Et cette dernière carte... oh, un Galas, ah, dommage, hein. C'était pas loin. On a quand même une rune, hein, donc bon. Strength, bon, si tu veux. On aura encore plus de vie pour le pauvre Blue Baby, hein. Il va se faire exploser. On pourrait utiliser plein de strengths à la fois dans une seule salle, mais ça n'a aucun intérêt, c'est marrant, mais bon. Bon, bah du coup, allez, hein, tentons les derniers coffres. Qui sait, Datsuki, on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri, et... que va-t-il se passer? Va-t-on avoir Datsuki? Va-t-on avoir Datsuki, Datsuki, Datsuki? What the fuck is that? Toxic Shock. Ah, c'est vrai que j'ai chopé Tech X, moi. J'avais complètement oublié. C'est... je crois que je l'ai pris, j'ai même pas fait gaffe. C'est quoi ça, Toxic Shock? Je ne sais pas. Bon, c'est cool, on a des items. Je sais même pas ce que c'est. Bon. Dommage pour Mega Satan. Ça aurait été cool. Attends, j'ai la Blanc Rune, là, sérieux? J'ai la Blanc Rune. C'est quoi, N? Ça se trouve... non, c'était pas Algis. Bon, ça va. Pas Algis. Gera. Je disais pas Algis depuis tout à l'heure, bref, je sais pas, bref. Ce que je voulais, c'était Gera, bien sûr. Bon, bah du coup, allez, c'est parti pour Blue Baby qui va tristement se faire massacrer. Je suis grand. Algis aussi, allez. Non. J'ai même pas eu le temps de m'amuser pendant le combat, quoi. Je vais recommencer. Retry. Bon. Bon bah c'est fini, hein. Ah, c'est dommage qu'on ait pas eu Mega Satan, mais c'était une partie géniale, géniale, géniale. On a massacré Hush, c'était super cool. Ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir, hein. Enfin une bonne partie, bon. Enfin, enfin, enfin. Cool, 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 cool. Bon. Bon, du coup, on a pu avancer au niveau des unlocks. Il est maintenant 18h30. Merci, Canadien, et c'est assez marrant. Le jour où je pars du fait de laisser tomber les histoires d'unlock, j'arrive à battre Hush, c'est assez drôle. Bon. Mais ouais, c'était cool, il nous manque Mega Satan et Blue Baby, sinon... non, il y en a pas mal à qui nous manque des tas de choses, c'est clair, même Isaac sans doute, hein. Il est où ce con? Il est là. On n'avait ni Mega Satan, ni quoi que ce soit avec lui. C'est assez dingue. Bon, on va essayer de faire une breaking run un jour avec Isaac. Ouais, bon. En tout cas, c'était Merlin Boss pour le 88e épisode d'Afterbirth. Et on se retrouve dans le prochain épisode. À la prochaine, tout le monde. Mouah.